Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de notre aventure sur Days Gone. Et aujourd'hui je peux vous le dire, on va pimp un maximum notre moto. Et ça c'est incroyable, et on va s'acheter une ou deux armes si bien évidemment mon compte bancaire le veut. Comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, un casque ou des écouteurs, prenez un petit truc à boire, à manger. Hop, on n'oublie pas le like, évidemment, parce que vous, vous êtes les vrais. Et on se retrouve tout de suite pour un maximum de plaisir. C'est parti. Allez, tout le monde, on est direct de retour dans le camp d'Iron Mike. On va customiser, pimp un maximum notre moto. Ensuite, on va peut-être voir les armes qu'il a à vendre. Je suis passé niveau 2, ne l'oubliez pas. Et bien évidemment, direction la suite de notre aventure. Alors, niveau performance, on a quoi? Vas-y, fais-moi rêver cette fois-ci. On a un moteur de niveau 2. Ah, la vitesse max, c'est incroyable. Par contre, ça coûte une blinde. Ok, on a... Ah, peut-être une nitro, hein. Ça serait nouveau. Échappement, réduction sonore. Ah, on est carrément silencieux et ça coûte combien l'échappement? 1000$, ça va en vrai. Là, on peut rien avoir. Il faut être niveau de confiance 2. Très bien. Donc, malheureusement, niveau sacoche, que dalle. D'accord. Ok, bah, va falloir faire encore quelques missions, n'est-ce pas? Vu qu'on n'est pas prêt de passer... Niveau de confiance de... C'est pas bien grave. Allez, direction le moteur. Hop, ça devrait durer un maximum. Moteur quasi au max. Niveau échappement, ça, c'est de la qualité. Aussi. Solide. Donc, réduction bien fini. Du silence. Là, on vient de lâcher 3000 balles, mais je ne suis pas peu fier. Hein. Je vais pas vous mentir. Esthétique, on a quoi? On n'a pas grand-chose en vrai. Hein. Et puis, c'est de l'esthétique, donc ça sert pas à grand-chose. Hein. Ouais, on peut rien faire. Ok, d'accord, on peut juste rien faire. Okay, et niveau peinture, ça sert à rien. J'ai déjà mes flammes totalement américaines. Et ça, c'est incroyable. On va regarder les armes, un petit peu, niveau armes. Qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Ah, attendez. Je dois avoir quelques petites oreilles qui traînent. Quoi de neuf? Oh oui. Regardez. Regardez-moi ça. Bien. Ça monte, ça monte. Et niveau pognon, c'est pas mal non plus. Direction armes cette fois-ci. Vas-y, fais-moi rêver. Ravi de te voir. Fais-moi rêver. Alors, t'as quoi? T'as quoi? Ok. Très bien. Un sniper. Un sniper. 2250, c'est pas très intéressant. Une M14. Ouais, mais si, je sais pas, je trouve... je trouve l'AK quand même... Quoique pour la précision, en vrai, ça pourrait être pas mal, je pense. Hein. Cadence de tir fortement baissée. Par contre, niveau dégâts, on monte pas mal. Ah, ça me paraît pas mal. Hein. Oh, le pompe, il est magistral. Très bien. On a quoi niveau accessoire? Silencieux pour arme principale. Non, sérieux? Oh, je prends. Ok. C'est incroyable. 45$. Et pour arme spéciale? Et voilà. C'est totalement dingue tout ce qui se passe par ici. Très bien. Allez, je vais l'acheter. Hein. Je vais l'acheter. On va l'essayer. M14 est à moyen, mais on va l'essayer. Histoire de varier un petit peu les plaisirs. Et elle est directement sur mon dos. Ah! Attendez. Hop. Bonjour madame, j'aimerais bien faire un petit tour dans mon casier. Très bien, dans mon casier, j'ai une M14, arme de poing, on a déjà. Voilà, on va récupérer l'arbalète. Hop, le reste, ça ne sert à rien. On a eu un boss assez chaud en vrai. Et la SAF, j'avoue que la SAF, elle est plus ouf. Hein. Elle est plus vraiment ouf. Très bien. On verra un petit peu ce que ça va donner plus tard. Allez, direction la moto, direction notre mission principale. Et on va voir un petit peu... Combien en confiance on peut gagner. Alors, mission principale, scénario, je me souviens. Oh, ça va être un problème. Oh, ça va être un problème encore au sud de la map. Incroyable. Mais cette map est grande en vrai. Hein. Au début, on dirait pas, mais la map est vraiment grande pour le coup. Très bien. Niveau plein, on est au max. Là, normalement, ça va accélérer en boule D. Hein. Moto perdue, si vous perdez votre moto au fond d'un lac ou d'un ravin, ça peut arriver apparemment. Ou encore dans la vaste étendue sauvage de Farwell. Et êtes encore à proximité, vous pouvez utiliser la cape pour la récupérer dans un endroit proche. Très bien. Donc, la moto se TP, hein, n'est-ce pas? Vous l'aurez compris. Elle se TP dans un endroit... dans un endroit proche, il faut juste aller la récupérer calmement. Alors, c'est quoi? C'est l'accélération? Ici, Radio Libre. La vérité. Je crois que c'est une cascade. C'est pas mal. Oh, ça promet des cascades. Hein. Oh, ça promet des cascades de police, hein. J'ai profité des meilleurs produits de la planète. On s'est retrouvé avec des trucs les plus pourris produits par la main-d'œuvre bon marché des pays étrangers. De tout ce qu'on a fabriqué ces 50 dernières années, rien n'a été conçu pour deux. Comme ça, au lieu d'acheter une fois, on achetait encore, encore et encore. Il fallait toujours avoir la dernière voiture, le dernier téléphone.
téléphone, les derniers ceci et cela, tout ça pour devenir le folie mercantile. Si on veut quelque chose qui dure, faut pas se tourner. Ok, un ours. Il faut de vrais travailleurs américains aux manettes. Nous, quand on construit quelque chose, ça réside. Oh la neige! Incroyable! Nouveau lieu, nouveau plaisir! Nous voici dans la neige! Ce qui est bien, c'est que la neige s'arrête au pont, vous l'avez vu? Ah bah les gars, c'est comme le nuage de Tchernobyl, il y a des frontières, voilà, ça s'arrête très Lost rapidement. Lost Lake pour Deacon St. John, tu me reçois? J'ai pas le temps, Ricky! O'Brien, j'ai rejoint l'une des balises. Laquelle? Comment ça, laquelle? Ce Toki du Nero a un GPS intégré, non? Oui, bien sûr. Mais... je vois. Vous êtes à Olali Falls, parfait. Ouvrez bien l'œil. Un agent va arriver d'un moment à l'autre. Terminé. O'Brien... Ah! Bon, Brian, là, tu me prends pour un connard, hein. On parle de ma femme, O'Brien, quand même, hein. Putain, je suis un vrai pigeon, hein, dans ce jeu. Ils sont là. O'Brien... Je vous l'ai déjà dit, ce sont pas mes amis. Ok, allez-y à pied. Ouais, je sais. Qu'est-ce que vous attendez de moi? J'utilise un de ces traceurs. Non, pas cette fois. Je m'en occupe. Suivez la chercheuse. Elle est venue enquêter sur un sujet infecté, un mutant, qui a été repéré dans une grotte voisine. Grotte? Et je suis des gorilles armés du Nero dans une grotte? Contentez-vous de rester à proximité. J'intercepterai ces données tant que vous serez à portée. O'Brien. Je cherche toujours vos infos. Ne posez pas de questions. Alors, oh, ça la sert vie à de quoi ma mère, O'Brien. Terminé. Squad, rapport. RAS. C'est bon. Oui, RAS. Ça y est. Vous y allez. Très très bien. Hein, caillou? Y'a quelque chose là. Mais j'ai rarement vu un caillou. Totalement incroyable cette histoire. Il pleut des cailloux dans la région. Yeah. J'ai entendu un truc. Dites-moi s'il vous faut quelque chose. Quelle heure il est? Merde, j'en sais rien. Il y a d'autres pas. Tentez-vous de rester à proximité. Oui, ah, j'avais compris tout ça. Facile à dire qu'à faire. Ce truc de stade 1, stade 2, stade 3. Comment ça? Je veux dire, le virus, c'est le virus, pas vrai? Non, c'est plus compliqué que ça. Attendez, je vais... Ouais, je sais. Je suis Catroufion. Mais avant le cirque des mutants, j'étais étudiant en biologie. Donnez-moi les grandes lignes. Vraiment? Essayez. Ok, on sait pas vraiment. Mais les tests sanguins, les observations effectuées jusqu'à présent, disent que le virus se propage via le système lymphatique. Ils se reproduisent et attaquent les cellules à une vitesse effrayante. Et l'attaque? Pour être plus précis, il faut passer à l'état actif une série de proto-oncogènes normalement inactifs. Un cancer? Regardez-le. Regardez-les tous. Ça ressemble à un cancer pour vous? Peut-être un très grave. Non. Non. C'est bien pire que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce virus est en mission. Les mutants sont ce qu'ils sont parce que le virus veut qu'ils soient comme ça. Qu'est-ce que vous insinuez? J'insinue... Putain, qu'est-ce que j'insinue? Le terrorisme? Vous dites que c'était délibéré? Je sais pas. Ça devient intéressant. Elle a fini. Ok, il est temps de foutre le camp d'ici. Ok, plutôt intéressant, mine de rien, toute cette petite histoire. Elle a l'air de rester par ici. Ah. Ok, j'ai eu très très chaud. Je vous cache pas que j'ai tremblé du... On évitera les détails. Ok, direction notre moto. Hein. Ils vont où là, comme ça là? C'est bon, je peux sauter en vrai? Ok, c'est bon. Ça a l'air ok. Allez! Direction notre moto, ça c'est fait.
très intéressant en tout cas ce qu'on apprend. Enfin un jeu de mort vivant où on apprend comment le virus s'est propagé, ou en tout cas on essaye de comprendre comment il s'est propagé. Ça peut être plutôt intéressant. Il est en mission 100%, je me souviens, 41%. Voilà. Nouveau point de compétence, juste incroyable, tout va très très vite. Niveau point de compétence d'ailleurs, faudrait peut-être que je... Peut-être même l'attribuer tout de suite, si on va voir, attendez, bougez pas. On a quoi d'intéressant? Hop, je me suis trompé. On a... Ok, on va mettre ça. Permet de tuer des ennemis plus petits après avoir échappé à leur prise. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal, roi de l'évasion en vrai. Et comme ça, on a trois nouvelles possibilités. Appuyez sur triangle pour tuer l'ennemi qui vous attaquait après avoir échappé d'une prise. Va falloir que je le retienne. Et ça, ça risque d'être terrible. Ok, Brian, bonne chose de fait. Répondez. J'ai les données. Oui, je les reçois. Merci, Drifter. De quoi est-ce qu'elle parle, O'Brien? À propos de ce virus, je sais pas quoi. Et à propos de ce qu'il fait... Je veux savoir ce qui se passe, O'Brien. Qu'est-ce qu'ils font ici? Et vous, qu'est-ce que vous foutez? O'Brien! Ok. Je vous recontacterai. O'Brien, terminé. Non mais... Tu vas pas laisser passer ça. Non mais attends, je suis déjà saoulé, frérot, moi, perso, putain! Te laisse pas faire, merde! On n'est pas des victimes! Ok, bougez pas, hop, ça. Voilà. On en refait encore 5, voilà. Oubliez pas que maintenant je peux avoir un silence. Lost Lake pour Deacon St. John. Tu me reçois? Ouais, bébé. Ouais, Ricky, qu'est-ce qu'il y a? Iron Mike dit que tu t'es porté volontaire pour rester dans le coin et aider le camp, mais que tu refuses de bosser pour Schizo. Hé, grosso merdo, ouais. Bon, je peux pas t'en vouloir. En tout cas, j'ai que toi sous la main. Alors passe à l'atelier de mécanique. Ouais, j'ai du boulot pour toi. Ok. Ouais, ça roule, terminé. Mais en vrai, Schizo a plutôt été cool sur le coup. Hein. Je vois pas pourquoi je lui en veux encore, hein. C'est très bizarre. Hein. C'est parti, on y va. Alors, j'ai pile poil le chemin. Est-ce qu'on va pas plutôt stepper rapidement? Est-ce qu'on va pas plutôt... On va stepper rapidement, ça sert à rien de faire le parcours en moto. C'est exactement le même chemin, on va rien découvrir de plus. Donc, autant y aller en voyage rapide. Allez, nous revoici directement au camp de Mike. Il est temps d'aller voir notre demoiselle au regard sûrement mortel. Elle a des choses assez importantes à nous dire. Surtout une mission à nous donner. Salut Ricky, tu disais que t'avais du boulot pour moi? Salut Dick. Ouais, tu te souviens de Shane Riley? Tout le monde l'appelait Red. Red Riley, jamais entendu parler de lui, mais laisse-moi deviner, il est roux? Quoi, roux? Mais non. C'est à cause de ses bottes en peau de serpent et de leur couleur rouge dégueulasse. Il a tendance à marquer les mémoires. Ouais, j'imagine. Bref, il y a pas mal de temps, il lui arrivait de bosser pour nous, jusqu'à ce qu'il décide que nos crédits lui plaisaient plus et qu'il bute Lindsay Fuller. Qui? Lindsay, celle qui était au ravitaillement avant Blair. Attends, il a descendu une femme désarmée? Oh, elle était armée. Mais elle s'attendait pas à prendre une balle en pleine tête. Bon, tu m'écoutes? Donc Red l'a tué, a vidé sa réserve et s'est tiré avant que ça se remarque. Comme si c'était rien passé. Le fils de pute. Enfin, jusqu'à ce que ses hommes et lui soient repérés du côté du camp pionnier. Inutile de me demander. J'aime pas trop les... Les meurtres de femmes désarmées, je sais. Je savais que ça te tiendrait à cœur. Ouais, je te l'ai dit, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur lui? Pas grand-chose. Ah, si. Il chique du tabac. Il paraît même qu'il est tellement accro qu'il dépiote les mégots de cigarettes pour récupérer le tabac et le mâcher. Ah, oh, c'est hyper crade. Ça me fait une deuxième bonne raison de le buter. Ouais, mais sois prudent, Dick. Ok, on doit donc aller buter un gars. Terrible histoire. C'est parti. Un putain de champ de bataille. Ça sent pas bon. Pisté Red Riley. À mon avis, il a peut-être pris sa part ou on va tomber sur... Oh non, pas une horde. Oh, j'en tremble d'avance. J'en tremble d'avance, ça risque d'être terrible. J'espère pas qu'on va tomber sur nous. En plus, j'ai plus d'AK. Je vous cache pas qu'avec une AK, t'es un peu rassuré parce que tu sais, tu peux foutre comme un débile. Alors que là, tu peux pas foutre comme un débile. C'est balle par balle. Par contre, attendez, peut-être chose assez intéressante à ce niveau-là. On verra quand on descend quand même. J'ai acheté un silencieux d'arbalète, s'il vous plaît, et un silencieux d'arme principale. Donc j'ai hâte de voir un petit peu à quoi ça va ressembler ce bordel. Mais ok, au moins c'est dans la boîte. On va passer par ici, je connais bien ici cette région. J'aurais peut-être dû sortir de jour, hein. La cascade. Voilà, ça passe, ça passe.
ça passe très bien. Allez, t'es là. Cascade! Deacon St. John à l'infirmerie de Lost Lake, répondez. Dick, j'ai mis le bas à l'ouest et tout l'autre. Ça va, toi, qu'est-ce qu'il y a? Salut, Boozer. Rien. Non, je m'emmerdais à écouter Radio Libre Oregon. Les théories du complot, ça va 5 minutes, quoi. Dick. Adi m'a dit. Tu m'avais sauvé la peau. En allant chercher des anti. Ok, cible mise à prix. Les cibles mises à prix sont des assassins. Recherchez les campements de survivants. Par des campements de survivants pour obtenir la prime, trouver, éliminer la cible, puis rapporter la preuve de sa mort. Enrique, je suis au Campionnaire et c'est un putain de champ de bataille. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais s'il y a des hommes à nous là-bas? Non, je crois pas. On dirait qu'ils sont en train de zigouiller des mutants. T'inquiète, je vais le trouver ton type. Terminé. Ok. Très très bien. Ok, ce que je voulais faire c'était tout simplement hop, attacher un silencieux. Ça devient une véritable carabine. Ok, donc je suppose qu'il est même pas dedans. Notre méchant garnement. J'ai peur, hein. Personne n'écoute jamais de toute façon. Putain. Oh, j'étais en sueur. J'ai pas parlé parce que j'étais vraiment en sueur. Ok, par où on monte? De toute évidence, c'est pas là. Je peux pas rentrer là-dedans, vraiment. Ok, on a des Spider-Man. Ah, c'est terrible. Peut-être par ici. Oh. Ok. Le voilà. Il est blindé. Ok. Toi, tu te tais aussi. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Très bien. Plutôt bien passé, hein. Ok, c'est fait. C'est mieux que rien. Hop, une petite tâche des familles. Ça peut dézinguer. Ok, je pourrais en faire quelque chose. Bon, on va tout fouiller, hein. Ah, c'est tellement stylé par contre de pouvoir mettre des silencieux partout. Juste incroyable. Ok. Yo. Elle est où ma moto? Bon! Pas besoin de tuer tout le monde en vrai, ça sert à rien. Autant directement passer à la suite de notre aventure. Par contre, j'ai un petit souci. Je crois que c'est. Attendez, laissez-moi revérifier. Ok, on va passer ici. Je vais mettre le plein d'essence parce que j'aurai pas assez. Et direction au camp en voyage rapide. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. On reviendra peut-être, mais il y avait pas grand-chose. Il y avait pas de nid, il y avait pas grand-chose, donc je suis pas sûr que on ait un avantage à revenir ici. Oh. Adi, t'es là? Deacon St. John à l'infirmerie de Lost Lake, répondez. Dick, salut. Je suis un peu à l'ouest, tu te doutes. Ça va, toi, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà. Salut, Boozer. Rien. Non, je m'emmerdais à écouter Radio Libre Oregon. Mais tu l'as déjà dit! Théorie du complot! Mais faut pas se répéter! Bon, Nick, ça va, le programme. Adi m'a dit. Oui, je t'ai sauvé la vie. Ok, allez, hein, TP rapide, de toute façon, on le réécoutera tout à l'heure. Ah, c'est terrible! Mais tu te répètes, Boozer! Je crois que tu deviens fou, mais moi aussi, apparemment. Parce que je te réponds au calme. Allez, nous voici au camp. On va directement rendre la mission. Et on est parti encore, pourquoi pas pour une nouvelle mission. Ça peut être intéressant, on a encore largement du temps. Voilà, vas-y, régale-moi. Régale-moi en niveau de confiance.
Déconne pas. Hey, Ricky, je l'ai eu. Deacon, c'est un sacré soulagement. Lindsay avait des proches au camp. Je vais leur apprendre la nouvelle. Ouais, ok. On se voit plus tard, Ricky. Un putain de champ de bataille, c'est fait. Regardez-moi cette réputation, ce niveau de confiance incroyable. Chasseur de primes, si t'es un meurtrier ou pire et qu'on me paye pour t'éliminer, t'es déjà un homme mort sans le savoir. Oh, ça monte à tous les niveaux, si je puis me permettre. La lave continuait de couler. Rouler jusqu'au lieu indiqué. Très bien. Eh ben, c'est juste à côté, incroyable. Au final, on va peut-être pas rouler bien loin, parce que c'est à 70 mètres. On va faire un effort et on va courir, comme tout le monde. C'est parti. Mission suivante. Je pense que Iron Mike a sûrement quelque chose à nous dire. Ou peut-être Schizo. À voir. En tout cas, régalez-moi, les frérots. Je veux une vraie mission. Une mission bonhomme, tu vois. Dick, j'ai réfléchi à ce que t'as dit. Tu sais, faire un truc pour la communauté, pour remercier le camp. Je t'écoute. T'as un peu de temps? Je vais te montrer. Oui, je dois pouvoir t'accorder une minute ou deux. Alors, où tu m'emmènes? T'as déjà visité les grottes au nord du lac? Je vois lesquelles c'est. Viens, on va voir si tu tiens la distance. Ok, ça marche. Fais pas le dingue, vieux fou. Attends, 400 mètres à Yep? Non, tu déconnes, frérot. J'avoue que là, tu fais le fou, mais ça devrait le faire. De toute façon, je dois aller nettoyer. Va juste falloir discuter sur la route, quand même. Faut que je vérifie si des mutants sont pas embourbés. Ça remonte à quand, la dernière fois que t'es allé là-bas? Quelques années, je dirais. Quand j'étais gamin, je passais mon temps dans ces grottes. Mon père aimait se prendre pour un géologue. Ok, je l'ai ralenti. On en a quelques-uns. Des mutants embourbés, je veux dire. Ouais, on dirait bien. Je vais leur régler. Ah voilà. Ah voilà. Oh, ça fait chier quand même d'utiliser... Ouais, on dirait bien. Je vais leur régler leur compte. Ah, okay. je me répète beaucoup. Je te laisse faire. Au boulot. Je crois que Schizo a une nouvelle recrue toute désignée. Ouais, ben, tu sais ce que je lui dis, Schizo? Enfin bon, comme je te disais, il passait des heures à expliquer comment elle s'était formée, comment les coulées se solidifiaient dehors pendant que la lave en fusion continuait à couler à l'intérieur. Il y avait les grosses grottes à touristes, comme la grotte Pétolius de ce côté, mais les merveilles s'arrêtent pas là, il y en a partout par ici. Ok, ok, on approche de l'autoroute, faut se la jouer discrète. De merde! Alors c'est pour ça que tu me fais venir ici? Pour me présenter cette bande de mutants? C'est ça. Ok, ok. Allez, suis-les. Oh là là, les suivre pour aller où, juste? Tu verras. Viens. Ok, c'est chelou. N'approche pas trop. Reste planqué. What the fuck? Ok, on va le suivre. Sacré ordre. Qu'est-ce qu'on est en train de foutre, Dick? Je me pose moi-même la question, frérot. Malin, même pour un drifter dans ton genre. Attends, attends. Tu te souviens quand tu me disais que les touristes californiens débarquaient en masse pour l'été et qu'ils bouchaient la 97 et la I-5? Ouais, en juillet, les gens suaient tellement qu'ils puaient autant que les mutants. T'avais raison sur un point. Ces mutants, les gros groupes que certains appellent les hordes. Je crois que c'est à cause d'eux qu'on n'arrive pas à réduire leur nombre. Comment ça? Réfléchis. Ça fait plus d'un an que je collecte les primes dans le No Man's Land. Pareil pour Boozer, Ricky, Schizo, quelques autres. À ton avis, combien de mutants j'ai buté? Pas mal. Ouais, pas mal. Mais il en vient toujours plus. Où tu veux en venir? C'est ces hordes. Chaque soir, elles envahissent l'autoroute de Santiam. En continu, des milliers de mutants débarquent dans la vallée de Lost Lake, au nord des Cascades. Et tu penses qu'ils viennent de Californie? L'autoroute est bloquée, personne n'est allé au sud du col de Santiam depuis des années. Les hordes peuvent passer. C'est à cause des mutants qu'elle est bloquée. Bref, enfin, ce que je veux dire,
c'est que chaque soir, les hordes déboulent. Et qu'on peut rien faire pour les en empêcher. Ok, Iron Mike. Ça finit chaud et froid. Ça, c'est pas moi qui vais te contredire. Et j'en ai perdu des hommes à cause de ça. Ouais, je sais. J'étais là. Et chaque horde de passage laisse quelques traînards ou se fait surprendre. Et se disperse. C'est pour ça qu'on voit des mutants, là, un peu partout. Même quand on les voit pas, on sait qu'ils sont là tout autour. Si on trouvait comment empêcher la horde de passer, on arrêterait de brasser du vent. On réduirait vraiment leur nombre. Le coin serait plus sûr, on libérerait des terres cultivables, on faciliterait l'irrigation. Ouais. Ok, et comment on s'y prendrait? Tu sais comme moi qu'on peut pas s'attaquer à une horde, comme tu dis. Et voilà. Que le diable m'encule. Tu l'as dit. Ils passent toute la journée ici à hiberner ou à faire je sais pas quoi. Donc, tu te disais qu'on pourrait... Tout juste. On fait tout sauter. On place de la dynamite ici, ici et ici. On fait s'effondrer la montagne et on en finit avec cette merde. Bon, on peut en piéger une centaine, mais en quoi ça nous avancerait? Non, tu comprends pas. Si on scelle cette grotte, ils auront nulle part où dormir. Ou peut-être que cette traînée de pisse et de merde va finir par s'assécher et qu'ils arrêteront enfin de venir. Bon. Très bien. D'accord, t'as toute mon attention. Allez, viens, on devrait rentrer. Ok, ça c'est fort intéressant et à mon avis, niveau de confiance, on risque de grave gagner en confiance. Oh, ça peut être très cool. Chaud. On va voir si t'arrives à tenir le rythme. Ok, ça marche. Dis-moi, depuis quand passer du temps dans le No Man's Land fait de toi un expert en mutant? Tu passes ton temps à les suivre? T'essaies de comprendre comment ils marchent? Pas vraiment. Alors comment t'as appris tout ça? Anticiper ce que va faire une horde, où ils dorment? Il y a quelques jours, je roulais au nord du cratère Belknap quand j'ai vu un hélico passer. Un hélico? Tu me fais marcher. Écoute-moi, c'était un hélico noir, comme ceux que le Nero envoyait un peu partout, quand ça a commencé à dégénérer. Et t'en as vu un? En vol? Je les ai suivis. J'ai piqué une de leurs radios. J'ai essayé de retrouver leurs traces pour voir s'ils avaient une base dans le coin, du ravitaillement. Bref, de voir si les fédéraux sont toujours en vie, tu vois. Apparemment, ils font des recherches sur le terrain. Sur les mutants, ils les étudient. Ils ont les ressources pour faire ça, alors qu'on crève de faim et qu'on lutte pour notre survie. Je les ai suivis jusqu'à la grotte du Haut-Désert. Tu vois laquelle? Ouais. Ils avaient posé des détecteurs de mouvement pour compter combien de mutants restent dans les grottes la journée. Mike, ils sont des milliers. Autant que ça. Ils disent que ça grouille de mutants du côté des montagnes des Cascades, au sud de Crater Lake et au nord jusqu'à Smith Rock. Ils squattent les tunnels de lave pour hiberner. Alors, on en aurait moins sur les bras si on faisait exploser les grottes. Ok. C'est très abrupt, leur fin de conversation. Eh, hey, tu sais, ton plan, là, il tient la route, mais... Si on veut y arriver, il va nous falloir un sacré paquet d'explosifs. T'as dit que tu voulais faire de Lost Lake un endroit sûr. Alors c'est comme ça qu'il faut faire. Bon. D'accord, écoute. J'ai une affaire à régler. Ok, mais rejoins-moi au pont, dans quelques minutes. Je sais très bien où en trouver. Et on va savoir ça dans l'épisode suivant. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 18. Je vais d'ailleurs l'enregistrer de ce pas pour être sûr que dans 2 jours, vous l'ayez. À très bientôt. Bisous tout le monde, ciao ciao. Tu devais te pointer à la ferme il y a 1 heure. Ils ont une belle pelle qui t'attend là-bas. Schizo, à propos de ça, je suis occupé là.
Iron Mike et moi, on est justement de sortie, tu vois. Iron Mike et toi? Tu vas aller de ce côté tout de suite, ok? Ou je vous envoie dans le No Man's Land, toi et ton copain les copés. Tu m'as bien compris? Avec votre bite et votre couteau. Ouais, je m'en occupe, terminé.